Beauté, beauté, bonjour, bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour, bonjour la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nzambe apesingangolu, Dieu m'a fait grâce. Dieu fait grâce, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Pour les nouvelles, le nouveau, moi c'est Ange Kala. Astuce beauté, voilà. Astuce beauté. Pour les anciens et les anciennes, voilà. Merci à vous tous pour vos commentaires. Merci pour vos soutiens, voilà. Je vous aime tellement. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Bopa mbola manakombo na Yesu. Oh, malheureusement, vous n'allez pas me voir. Hein. Pour des raisons personnelles, je ne peux pas vous montrer mon visage. Franchement, je suis désolée. Je n'ai pas le choix. Je dois respecter les normes. Donc, je ne peux pas vous montrer mon visage. Mais quand même, je vous rapporte l'ambiance. Voilà. Je vous aime bien. Toi, la vieillesse, là. Toi, la vieillesse, si c'est la vieillesse, c'est les vieillesses. Toi, là, nous allons te combattre. Toi, là, je t'ai eu. Toi, la vieillesse, là, nous allons te combattre. Tokonunate. Toi, la vieillesse, là, on t'a eu, toi. On t'a eu, moi, je t'ai eu, toi, la vieillesse. Tu ne dois pas me dépasser. Nakonunate. Malgré tout, oui, voilà. Tokonunate. Mais d'abord, faut lutter contre la vieillesse. Alors, la famille, j'ai fait cette vidéo en deux langues. En deux langues. Un, deux langues. Naosalango, naminoko mi balé. Ma langue à moi que j'aime bien beaucoup, que j'aime trop trop trop, est le français. N'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin. À la fin. Moi, c'est Ange Kala, astuce beauté. Pour les anciens et les anciennes, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors, j'ai une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans la vidéo, c'est à Lelo. Non, là, ça bino Lelo. N'dengeni ça la masque pour na au vimbi ça elongi. Pour elongi ça la misuni. Elongi ça elongi abat bébé. Elongi ça ngebu. Elongi ça sembe sembe. Baba talingala. Elongi ça kitoko. Non, là, ça nous masque mort les lots. Franchement, si vous avez un problème, vous hésitez au méga masque. Pour les nouvelles, pour la bataille de pote, voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un masque pour avoir un visage pulpeuse. Un visage frais, un visage très doux, une jolie visage, voilà. Voilà. Pour un visage mort pulpeuse, c'est ce que je vais faire la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter tous les ingrédients que je vais avoir. Je vais avoir besoin de réaliser ces masques. Voilà. Premièrement, je vais avoir besoin de café. Deuxièmement, je vais avoir besoin de poudre de cacao. On a besoin de poudre de cacao. Voilà. Dans ce moment, le magasin m'a dit que c'était à. J'ai acheté ça 2 euros. 2 euros quelque chose. Voilà. J'ai acheté à 2 euros. Dans ce moment, 2 euros dans le bambou. Je vais avoir besoin de curcuma. Non, on a pour ça curcuma. Non, on a pour ça yaourt nature, voilà. Et je vais avoir besoin encore du miel. Voilà. Pour ce qui concerne toutes les explications sur, par exemple, les cafés, Nassina Limbola, j'ai déjà parlé de café à peu près 2 ou 3 fois comme ça. J'avais posté une vidéo, il y a cela 2 mois, si je ne me trompe pas, je vais parler de café. J'avais donné quelques détails sur les cafés. Voilà, sur le miel aussi, j'ai fait les vidéos sur le miel, sur les yaourts nature aussi, j'avais fait des vidéos sur les yaourts nature. Par contre, pour
La poudre de cacao, c'est ma première vidéo sur la poudre de cacao. Voilà. Alors, Noël, expliquez Bino, pourquoi on va utiliser ce masque à base de poudre de cacao. Premièrement, poudre de cacao, et que permettre Bino, ça va vous permettre d'avoir un visage pulpeux, à renouveler votre visage, à rafraîchir et à donner du volume sur votre visage. Peut-être si vous avez, je peux dire si, par exemple, vous avez l'âge moins de 30 ou moins de 40 ans, mais votre visage apparaît peut-être le visage de 50 à 60 ans, utilisez ces masques, vous allez voir que non, c'est que non, ça va vraiment améliorer, ça va vous aider. Pour la bande de gonos, bananana, la lingala, poudre cacao, et que permette biso, tous à la nelonimo boe, yamusuni, et l'onga ba bébé, et l'onga nge bunge bou, et l'onga sembe sembe quoi. Parce que batum sousou, aza, aza moua mkie par rapport à âge, mais et l'ongaye, et zobima mkolo. Donc, c'est pour cela, non, ça la masque à base de poudre de cacao. Et qu'on aide vraiment sur un problème. Voilà. Voilà. Et curcuma pe. Maintenant, on tourne sa vidéo sur curcuma. Curcuma, c'est ça, boy. Et ça, anti-vieillissement. Curcuma, et ça, anti-vieillissement. Et renouveler la caba. Et renouveler la caba. Bah, cellule morte. Et l'ongo la caba, cellule morte. Et l'ongo la. Bah, cellule de koufa. Et zo bot sa esika. Et bot sa kamisune et l'ongo. Curcuma est beau, ça quand il est sur une longue pisse, et ça quand il est longi, c'est bien. Pour le café, café télisaka, nous avons besoin des athées, voilà. Miel, c'est pour hydrater la peau, ça hydrate la peau, ça élimine la peau, ça nettoie la peau, le miel. Yaourt nature aussi, ça nettoie, ça élimine, voilà. Et ça éclaircit parce que c'est le produit laitier. Sans plus tarder, je vais passer maintenant à la réalisation de ce masque. Par contre, il y a deux astuces, deux masques que je vais vous montrer, mais je vais réaliser qu'un seul avec vous et l'autre, ça sera que des explications parce que je me suis rendu compte en faisant des réalisations de trois ou deux masques, c'est du gâchis parce que c'est pas, ça ne va pas m'entrer dans ma routine et les autres, je mets à la poubelle, c'est du gâchis et je vais faire qu'un seul. On va faire ça tout ensemble. Alors, n'oubliez pas de garder la vidéo jusqu'à la fin pour les nouvelles. Voilà. Le numéro 1 pour réaliser ce masque anti-vieillissement pour avoir un visage pulpeux. Vous devez avoir besoin de la poudre de curcuma et vous devez avoir besoin de yaourt nature et vous devez avoir besoin de poudre de cacao. Je vous ai bien dit ça, ça va vous aider à renouveler votre visage, à rajeunir. Voilà, voilà le mot qui convient, à rajeunir votre visage et votre visage va devenir plus beau, très doux comme le visage d'un bébé. Voilà. Comment le réaliser? Vous allez apprendre. Vous allez prendre plutôt une cuillère à soupe de yaourt nature, demi-cuillère à soupe de poudre de curcuma, demi-cuillère à soupe de poudre de cacao. Mélangez les tout très bien, que ce soit pas trop dur, que ce soit pas très lourd, que ça ne soit pas trop liquide. Mélangez vraiment très bien, que ce soit vraiment une bonne pâte homogène. Appliquez sur votre visage, laissez reposer 15 minutes après rincer votre visage. Et c'est un masque que vous pouvez le faire tous les jours, comme il n'y a pas la présence d'un citron ou de bicarbonate de soude, peut-être c'est pas bon de le répéter tous les jours. Donc c'est un masque que vous pouvez faire tous les jours par rapport à votre routine, soit 3 fois par semaine. Alors voilà, et on va découvrir le baki. Pour nous, ça, la masque, on est longue, ça, la ngebungebou. Pour vous en apposer à l'outre, moko, il y a curcuma. Pour vous en apposer à demi-loutou, soit cuillère à café, il y a poudre de cacao. Soit on a loutou moko et à soupe, il y a yaourt nature. On mélange en gros très bien, on se met ça tout. Oye le kamou et belé, oye zalamon mouké, on mélange en gros très bien. Okout on a pâte moro ya bien, très homogène. Pâte moro zala lourté, zala pe, maï maï te, on applique une bonne couche ne l'ongna yo. On va en 15 minutes, 15 à 20 minutes. Après, on se coule le moulin à la main à mort. On va bander la masque 3 fois par semaine.
par rapport à la routine, il y a soin de beauté. Soit, au cours de la micro-ondes, tellement que ça dans la présence, il y a. Il y a citron, il y a du carbonate de soude, parce que l'eau, quand même, peut-être que c'est un peu très fragile, à coco bande l'ango tous les jours dans l'humidité. Au coco, ça là, tous les jours, ça a vraiment un inconvénient, parce que ça, l'eau, moi, ça très très doux, très simple, très 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 simple, très très doux en fait. Voilà, donc, au ça l'ango tous les jours, et ça a quand même par rapport à demande et l'humidité. Je vous conseille masque vraiment et quoi aider bâtir belé, bâtir parce qu'on a problème il y a qu'on nous n'en a éloigné, qu'on nous n'en est à mon de l'icambo. Et le maison nous n'a de tétique à la gêne, et le maison nous n'a de tétique à la gêne. Sauf à tel moment là, aux autres comme bimba, or que âge ils en ont pied, c'est le moment il y a qu'on lutte contre vieillesse. C'est pour ça que masque il y a un produit naturel et qu'on perd notre biso, malgré tout au coup on a biso quoi comme mais, tout mais la tamo andam non qui tout quoi moto sur la langue. Voilà, voilà. Ce qui est important de lutter contre la vieillesse. C'est vraiment très important ces masques, ça va vous aider si vous avez vraiment le problème de vieillissement sur votre visage. Essayez ces masques et vous allez voir que ça va vraiment vous aider parce que, ben oui, malgré nous tous, on sait qu'on va mourir, mais pas tout de suite, pas le moment. Il faut d'abord lutter contre la vieillesse par rapport à notre écart entre âge et le visage. Il y a du monde, il y a des autres personnes, elles vieillent sur le visage, mais... Par rapport à son âge, l'âge est trop petit, le corps est trop encore jeune, tout est encore bien, mais le visage, ça vieillit. Voilà. Utilisez ces masques et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Et voilà maintenant pour le deuxième numéro 2. Je vais avoir besoin de poudre de cacao. C'est mon élément de base. Je vais avoir besoin du café. Je vais avoir besoin du miel. Et je vais avoir besoin de yaourt nature. C'est ce que nous allons faire ensemble parce que moi, je vais utiliser ça ce soir. Pour moi aussi, je vais lutter contre la vieillesse. Lutter contre la vieillesse. Lutter contre la vieillesse. Nous sommes bons à nous. Voilà. Nous avons la yango. Comment je vais ouvrir? C'est par là. Nous avons la yango. Voilà, il est là, il y a cacao, un goyo. C'est pas trop cher, hein. Je l'ai acheté à 2 euros quelque chose. Dans ce moment, on a intermarché Zali, on a le supermarché Zali. Dans ce moment, le magasin, il y a un libou. Dans ce moment, on a 2,79 euros, je sais, je ne me trompe pas. Je l'ai acheté à 2,79 euros, voilà. Il faut que je salle la soin des visages dans l'ail, voilà. Alors, dans le bac, nous en avons posé la poudre de cacao. Je vais prendre le ciseau. Voilà. La peine à renouer. Attends, on couvre maintenant le renouer. Il faut qu'on lutte contre la vieillesse, maman. Je vais tout couper parce que dans le tour, on a quatre pots. Je vais garder ça dans un petit bocal. Dans un pot ça y a, oh, la petite cuillerée au mi-balai. Soit cuillère moko à soupe. Oh, non, ça là, il y a l'élo na lobby. Cuillère moko à soupe. Deux cuillères à café. Puis ça la cuillère moko à soupe. Merci, oui. Bien garder. Cuillère moko à café à Oyo. Petit cuillère, hein, voilà. Cuillère moko à café. Parce que base, c'est ça. Poudre de cacao. Donc, il faut changer cuillère. Pour nous voir yaourt. Voilà. Cuillère à soupe. Pour nous voir yaourt. Cuillère moko à soupe. Cuillère moko à soupe. Voilà. Nous allons mélanger un peu avant notre miel. Mélangeons au format bien. Mélangeons nos trois ingrédients au mi-balai.
yaourt, cacao, café. Mélangez en mélangez d'abord tous les trois ingrédients avant de mettre du miel. Mélangez très 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 bien. Après, vous allez mettre du miel. Voilà. Ce qu'on a demandé au Baxa, miel. Alors, miel, il faut utiliser ça. Mais comme c'est déjà sale, je vais prendre demi-cuillère à oyo pour et ça là, cuillère à café. Voilà. Ensuite, demi-cuillère moko ya. Il y a soupe, il y a miel. On va mélanger na kati. Na baloli. Na baloli. Balola, balola. Balola, balola, balola. Na baloli. Na baloli. Il faut bien mélanger afin d'obtenir une bonne pâte homogène. Voilà. Voilà. La baloli. Bien, 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 bien. Voilà. Oh, mon bon, qui m'a dans le tchang, pour mon déléki. Et une zambi. Beauté, ça a un problème, hein. Et voilà. Après ça. Après ça, vous allez appliquer sur votre visage. Vous allez laisser sur votre visage pendant 20 minutes. Et je dis tous les jours, dans tous les masques qui a la présence du miel, soit de l'huile, des fois, ça a vraiment du mal à sécher. Mais par contre, il y a des effets. C'est très efficace. Laissez ces masques reposer 20 minutes sur votre visage. Après, vous allez rincer votre visage à l'eau propre. Très propre, de l'eau propre, pas trop chaud, pas trop chaud, pas tiède, pas froide, de l'eau propre, claire, un peu tiède, un peu froid. Voilà. Vous allez rincer votre visage. Faites ces masques quand vous voulez, comme tous les jours, comme là. Moi, je commence aujourd'hui, je sais pas, quand je vais m'arrêter, je vais arrêter, quand je vais avoir le résultat, ou quand je vais changer, faire un gommage, ou soit, je vais laisser, mais ça, pour le moment, pour moi, je vais d'abord utiliser ça pour voir vraiment une bonne résultat. Mais par contre, nous allons faire ensemble, vous aussi, essayez et vous allez voir, je vous assure que non, c'est vraiment quelque chose qui marche. Ça marche vraiment, ça marche à merveille. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, si vous avez tombé sur mes vidéos, au hasard, peut-être par deux partages et dans la voix d'une amie, une copine, et voilà. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas manquer aucun de mes vidéos. Pour ne pas manquer aucun de mes vidéos, cliquez sur la cloche et commentez mes vidéos, likez mes vidéos, surtout partagez mes vidéos. Moi, je fais que des astuces de beauté pour le moment parce que je sais il y a beaucoup du monde. Bah, t'es belle, bah, souffre, ma remettez les beauté. Peut-être que t'as pas d'argent, aux arts pour se soigner vraiment. Les ingrédients naturels aident à merveille. Bilo ko lomso o ba benga ngoba nkoko. Bonkoko penza ezu sunga na ndenge ya mukiete ko se ko hésiter te pour na ko sai la masque oza ya bilo ko ya naturel parce que mon produit naturel ils ont vraiment bien fait nango na katia nzote ya mutu. Et surtout so moni ko lia ke loko wana et linga olinga ke loko wana lia kamo sala ko loko te. Donc so ko basali peut-être va foutre na moto crème nango so sale lango ça va marcher. Donc si tu manges après savoir faites ça. Si vous avez fait une bonne quantité pour peut-être deux jours, comme moi j'ai fait pour deux jours, vous allez mettre dans un petit bocal et vous les gardez au frais pour l'utiliser demain. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça pour ne pas avoir du souci. Si vous voulez directement utiliser, vous prenez et vous l'utilisez parce qu'il y a la présence des yaourts nature, si vous les mettez au frais, ça va être bien conservé. Voilà, 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 voilà. Ce masque va vraiment vous aider à avoir un visage pulpeuse,
un visage lumineux, un visage qui n'a pas ridi, des rides plutôt, qui n'a pas des imperfections surtout, qui n'a pas des taches, qui est très propre, très lisse. Donc c'est beau à voir, vous allez vraiment voir un visage que vous-même vous allez adorer. Donc ce mélange de ces quatre ingrédients, c'est vraiment une bombe anatomique sur le visage.